Etikalipolele masia yeye swase kui oyonyo soyanga eku faki yese kui elo lilite etikalipolele lilita Etikali polele, masia yeye swase kui, oyonyo soyanga eku faki, ese kui elo mona. Bipai ozali, bipai yopamu. Yamba loyembo yamitema maboko tutumbulili kolo osana kebona. Alors voilà ce que l'on va faire avant d'écouter la parole. Nous allons acclamer Dieu comme il se doit. Je cherche quelqu'un que Dieu a sauvé. Quelqu'un que Dieu a tiré de la boue. Quelqu'un qui est parti du parvis jusqu'au lieu très saint. Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu a fait du bien? Qu'il acclame et qu'il pousse de cris de joie. Alléluia! Il a vaincu la mort. Son nom c'est Jésus. Il est le roi des rois. J'aime quand on le dit souvent. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Il est le roi, il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Il est merveilleux, Jésus. Nous te disons merci, Père, pour ces merveilleux temps que tu nous accordes. Ce que je puis te demander en ces temps, c'est de bénir ta parole. Donne-moi avec simplicité de mots, simplicité d'esprit, de communiquer la pensée que tu as imposée dans mon cœur depuis hier. Que cette parole soit une nourriture qui va aider quelqu'un à croître, mais bien plus à aider quelqu'un à s'approcher encore de toi. Bénis ces temps au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Bonsoir tout le monde. Content d'être là ce soir. Pour ceux-là qui étaient là hier, on a commencé à parler de bénéfices de la mort de Jésus. Ce que la mort de Jésus nous apporte. La mort de Jésus n'était pas vaine. La mort de Jésus a un bénéfice pour nous. Il y en a plusieurs. Hier, on en a vu trois. Mais avant cela, on avait parlé des raisons, des causes, je dirais secondaires, qui ont amené Jésus à la mort. Le salut des âmes était la cause primaire, première. Mais il y avait d'autres causes à côté. On a vu trois causes, je crois, majeures. Il y avait la première, la cause religieuse, où Jésus était condamné par le Sanhédrin, qui était l'équipe directionnelle juive du temps de Jésus. Premièrement parce que Jésus violer les sabbats selon eux.
Ils l'ont condamné pour ça. Ils ont dit, si tu étais vraiment prophète, tu devais respecter le sabbat. La loi imposée par Dieu au travers de Moïse, le sabbat devait être respecté et non violé. Même jusqu'aujourd'hui en Israël, ils respectent le sabbat. Si tu violes le sabbat, on te trouve, on t'arrête, on te met en prison. C'est vraiment l'atmosphère un peu de la mort, quoi. Rien ne s'est fait. Deuxièmement, ils ont accusé Jésus d'avoir appelé, considéré Dieu comme son propre Père. Ils trouvaient ça anormal à ce qu'un homme puisse appeler Dieu son propre Père. Et troisièmement, c'est parce que Jésus se faisait égal à Dieu. Il est égal à Dieu et ils trouvaient ça un blasphème. Ils ont failli lapider Jésus et Jésus leur pose la question de tous les biens que j'ai faits. Vous me lapidez pour lequel? Ils disent, nous ne te lapidons pas pour les biens que tu as faits, mais parce que tu t'es fait égal à Dieu. Deuxième raison secondaire, c'était la raison politique. Jésus devenait de plus en plus populaire et les gens le suivaient, ils voulaient faire de lui roi. Roi des Juifs. Alors le Sanhédrin s'est résolu. Si on laisse cet homme continuer ainsi, non pas seulement que le peuple se soulèvera un jour contre l'occupant romain, mais Rome enverra des troupes, ils viendront détruire Israël et détruire notre nation. Au lieu que toute une nation meure, vaut mieux un seul qu'une nation. Et à côté de la cause politique, on a vu la cause humaine. Il y avait la jalousie dans le cœur. Jésus était aimé de la population. Jésus faisait ce qu'il disait et il disait ce qu'il faisait. Jésus était sans reproche alors que eux tous, leur ministère, leur vie était entachée. Puis nous avons vu les causes ou la cause spirituelle de la mort de Jésus. On a seulement introduit cela, on a dit on va revenir aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Et c'est ce qui a constitué notre deuxième grand point qui était le bénéfice de la mort de Jésus. On a vu premièrement lorsque Jésus-Christ est mort à Golgotha, qui était à l'extérieur de Jérusalem parce qu'on ne crucifiait pas les gens à l'intérieur. On a vu que c'était même la préfiguration de la Pâque juive, où l'agneau devait être tué à l'extérieur de la maison et non à l'intérieur de la maison. Jésus-Christ est mort à l'extérieur de Jérusalem et non pas à l'intérieur de Jérusalem. Et on a vu que parmi le bénéfice que nous avons de la mort de Jésus, il y en a plein, mais on a énuméré hier trois. Premièrement, on a dit que le voile du temple était déchiré. Nous avons maintenant libre accès auprès du Père. Ce qui autrefois était impossible, ce qui autrefois n'était donné qu'au grand prêtre qui ne devait entrer dans le lieu très saint qu'une seule fois l'an. Mais là maintenant, nous avons l'accès libre. Le voile s'est déchiré non pas de bas vers le haut, mais de haut vers le bas. Deuxième bénéfice, on a vu qu'il y avait la résurrection. Quand Jésus est mort, il y a les saints qui étaient ressuscités, les tombeaux étaient ouverts et les saints étaient ressuscités. On a dit que l'un des bénéfices que nous avons de la mort de Jésus, c'est que plusieurs des choses qui étaient en nous, ou même enfermées, emprisonnées quelque part, nous avons la liberté en Christ. Et Dieu restaure ce qui était mort hier et même détruit. Et troisièmement, on a fini par là, on a dit que la mort de Christ nous donnait aussi la guérison. Ésaïe a vu cela bien avant dans Ésaïe 53, verset 5, où il a prophétisé, disons, les châtiments qui nous donnent la paix. On parle du châtiment, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le premier et important bénéfice qui concerne le salut de notre âme de la mort de Jésus, c'est la rémission de nos péchés. La mort de Jésus nous apporte la rémission de nos péchés.
C'est meilleur que la guérison physique. C'est meilleur que les bénédictions matérielles, la rémission de péché. Lorsque Adam et Ève ont péché à Éden, la race humaine a été infectée du péché. Dieu ne pouvant plus supporter cela, il a quasiment chassé l'homme de sa présence. Et même, il a placé les chérubins à l'entrée du jardin d'Éden, vers la direction de l'arbre de vie et de la mort, afin que l'homme n'y retourne plus. La relation était coupée entre Dieu et l'homme. Mais Dieu aimait toujours l'homme, malgré la faute qu'il a commise. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, malgré ce que tu fais comme bêtise, Dieu t'aime toujours. Amen. Et Dieu, dans sa providence divine, avait déjà établi un mécanisme de rédemption pour l'homme. Avant même la fondation du monde, il avait établi le mécanisme de telle sorte que s'il arrivait que l'homme tombait, il y ait déjà un processus de la rédemption. Et ce processus constituait à quoi? Il fallait qu'un animal meure, un agneau pur, sans tache, comme on avait vu dans l'Exode. Il fallait qu'un animal meure, sans tache, sacrifié, non pas pour effacer le péché, mais pour couvrir le péché. Ça, c'était la condition primaire pour que l'homme rétablisse un peu la relation avec Dieu. Il fallait qu'un animal meure, un agneau, d'au moins une année, un sacrifice donné pour apaiser la colère de Dieu, apaiser la colère. Et deuxièmement, établir une loi qui va aider le peuple à marcher dans la sainteté. La loi que Dieu a donnée à son peuple, à Israël, ce n'était pas seulement faite de 10 commandements que plusieurs connaissent. Le 10 commandements de Exode 20, ce n'est pas seulement cela. La loi qu'on appelle la loi de Moïse était composée de plus ou moins 613 règles de vie. 613 règles de vie à respecter. Mais il y avait un côté difficile dans ce mécanisme donné. Premièrement, sur le plan sacrifice de l'agneau. Le sacrifice que l'homme devait donner, l'animal, ne satisfaisait pas vraiment à la justice de Dieu. Il apaisait la colère de Dieu, mais il n'enlevait pas la colère de Dieu. Une fois l'an, le sacrifice devait être donné pour apaiser la colère. Mais la colère de Dieu demeurait toujours, mais elle était apaisée. Deuxièmement, le côté difficile de ce sacrifice, c'était le sacrifice de l'agneau n'enlevait pas le péché, mais couvrait simplement le péché. C'est comme si je venais, je tachais ces baffles et je prenais une couverture, je mets dessus. Je n'enlève pas la saleté, je couvre simplement la saleté. C'est ce que faisaient tous les sacrifices qu'Israël avait donnés avant le sacrifice de Jésus. C'était ça le côté difficile. Les péchés étaient accumulés, couverts, et la colère de Dieu était simplement apaisée. Deuxièmement, le côté difficile en ce qui concerne la loi, c'était qu'une seule règle enfreinte était considérée comme avoir violé toutes les 613 règles. Jacques le dit dans Jacques 2, verset 10.
Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Imaginez. Tu enfreins une seule loi, mais c'est considéré comme si tu étais coupable de toute la loi de 613 règles. Qui pouvait ? Au finish, même Moïse, qui a reçu la loi fraîchement de Dieu, est mort sous la loi. Difficile, n'est-ce pas ? Observer tous les 613 règles, et Israël devait le faire. Compliqué, ils n'ont pas pu le faire. Dieu voulait simplement montrer à l'homme que de toi-même, tu ne peux pas atteindre la perfection. Pour résoudre définitivement le problème du péché, il a fallu que Dieu puisse envoyer son Fils, Jésus, comme l'agneau sans tache, afin de mourir pour nous. Dieu l'a fait, non pas par devoir, mais par amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle du monde là, on ne voit pas le monde dans son système de vie. Quand on parle du monde, car Dieu a tant aimé le monde, on parle du monde comme étant l'humanité, et non pas comme étant système de vie, système économique, non. Et on ajoute, car il a tant aimé, superlatif, que l'amour de Dieu pour l'humanité était tellement grand qu'il a envoyé son Fils, son propre Fils unique. Par amour, il a fait. Il est venu. Jésus aussi est venu sur la terre mourir. Non pas par devoir, mais par amour. Lui-même, il était amour. La croix, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Quand tu penses à la croix, pense à l'amour de Dieu pour toi. De son vivant avant, la croix, il a manifesté. Jésus a rencontré la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Alors que tout le monde le condamnait, Jésus la regarde, il dit non, va, moi je ne te condamne pas. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu est plus grand que sa propre loi. La loi disait qu'on t'attrape en flagrant délit d'adultère, on te lapide. Ces gens avaient raison, ceux-là qui ont entraîné cette femme-là. Mais quand Jésus a regardé, il dit non, moi je ne te condamne pas. Pourquoi ? Parce que mon amour pour toi est plus grand que ma loi contre toi. Il rencontre la femme samaritaine haïe de tous. Il y avait une différence entre le juif et les samaritains. Ils ne se côtoyaient pas, ils ne s'appréciaient pas, ils ne s'aimaient pas. Jésus était juif, l'autre était samaritaine. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé cette différence. Il a parlé librement à la samaritaine. Cette samaritaine avait un passé lourd. La plupart des gens le fuyaient, mais Jésus-Christ l'a abordé. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu est plus fort que notre passé. L'amour de Dieu ne regarde pas notre passé, l'amour de Dieu regarde notre futur. Il dit, je vois en cette femme un potentiel ministre de Dieu, évangéliste. Au lieu de m'arrêter sur son passé, je regarde son futur. Je me redire à quelqu'un ce soir, Dieu ne regarde pas ton passé, mais regarde ton futur. L'amour de Dieu pour ta vie est plus grand que ton passé. Et quand il rencontre Zachée, Zachée qui était pro-romain, que la plupart des gens détestaient, Jésus dit à Zachée, je mangerai chez toi aujourd'hui. Même Zachée lui-même est étonné. Les gens indexent Jésus, waouh, mais toi qui te dis un homme d'une bonne moralité, tu acceptes d'aller manger chez cet homme. Jésus regarde.
Il dit, je vais manger chez toi. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est plus grand que les jugements des hommes. Dieu t'aime plus que ce que les gens disent de toi. Les critiques de gens ne changeront rien à l'amour de Dieu pour toi. Les gens peuvent te détester, te critiquer, Dieu t'aimera toujours. Quand les gens refuseront de venir chez toi et te mettront à côté, Dieu sera toujours prêt à venir manger chez toi. L'amour de Dieu est plus grand que les jugements des hommes. Voilà pourquoi je m'accroche à Dieu. Quand les hommes me condamnent, Dieu m'aime. Alléluia. On est venu l'arrêter à Gethsémani. Pierre, fâché, il prend l'épée, il coupe l'oreille de Malchus, l'envoyé du souverain sacrificateur, pour arrêter Jésus à Gethsémani. Mais Jésus prend l'oreille, il remet. Pourquoi? Parce que son amour est plus grand que ses ennemis. Alléluia. Il ne rend pas le mal pour le mal. Il aime même ses ennemis. Voilà pourquoi il dit, oh, au lieu de maudire vos ennemis, bénissez-le, priez pour eux. Je prêchais à l'église, je disais, la doctrine de, allez, nous allons envoyer le feu chez les ennemis, ça ne marche pas. Nous allons envoyer le feu chez les ennemis. Prenez le feu. Allez, jetez. Boum. Prenez le feu. Ça ne marche pas. Un enfant de Dieu ne peut pas le faire. Je dis à quelqu'un, ça ne marche pas. La preuve en est que tes ennemis ne sont pas morts. Jésus dit, lorsque quelqu'un est contre toi et est ton ennemi, le maximum que tu peux faire, pardonner, prier pour lui et le bénir. C'est difficile. Mais c'est ce que Dieu nous recommande. Et non pas de jeter le feu. Montrez-moi dans la Bible quelque part où Jésus a jeté le feu. À un moment, il partait avec ses disciples, Jacques et Jean. Les gens contestaient Jésus. Ils ont dit, ok, permettez-nous d'appeler le feu sur eux. Jésus leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Jésus n'est pas venu pour que les gens meurent, mais pour que les gens aient la vie. Même le sorcier de ta famille qui te combatte, prie pour lui. Jésus-Christ les rencontrera parce que le feu que tu jettes sur lui ne fera absolument rien. Aide-moi à dire à ton voisin, l'amour de Dieu est plus fort que les ennemis. Il rencontre Barabbas en prison. Barabbas était un véritable coupable. Il était déjà condamné. Jésus n'avait rien fait. Mais l'amour de Jésus, même pour Barabbas, a accepté de prendre la place de Barabbas. Ce n'était pas Jésus qui était coupable, non. C'est toi qui es coupable. Esaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En principe, le châtiment qui nous donne la paix devait tomber sur nous. Bon, tu peux venir mon frère. Le châtiment qui nous donne la paix. Dans sa colère, Dieu a prévu un châtiment. Et ce châtiment devait tomber sur nous. Mais Esaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi? Parce que quand le châtiment tombait, Jésus a fait ça. Pouf. Lui, il est mort. Lui, il a la paix. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait à Golgotha. Il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, le Père l'a abandonné à cause de l'amour pour toi. Si je ne t'abandonne pas, eux ne seront pas sauvés. Jésus est mort, crucifié à la croix nue. Souvent quand tu regardes, tu vois, on met un truc comme ça. Non, non, il est mort nu. Agonisant. Il a été battu à mort. Il a souffert à mort. Lui qui était innocent. Il a crié à la croix. On a percé sa côte.
Il a souffert jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Comme a dit le pasteur André, il avait le pouvoir de le faire, de quitter la croix. Il avait le pouvoir de se défendre, mais il ne l'a pas fait. Souvenez-vous à Gethsemane, alors qu'il priait, le sang est sorti de lui comme la sueur. Il a dit, Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe? Mourir à la croix, c'était une mort honteuse. Pour un homme, on peut comprendre. Et en plus, lui, il est Dieu. Il avait des anges qui le servaient. Il avait les honneurs du ciel, mais là, il mourait comme un véritable criminel. Il a dit, si tu pouvais éloigner cette coupe de douleur de moi, il pouvait aussi rentrer au ciel et dire au Père, je ne le fais pas, il resterait Dieu. Mais il a accepté de monter à la croix, nu, flagellé. Les érudits de la parole disent que son dos était déchiré par les fouets, craché dessus. Non pas seulement qu'il recevait des fouets, mais il recevait aussi des coups. On le frappait à mort, on l'écrasait et il portait le poids de la croix. Lui qui était déjà fatigué, la Bible dit qu'on a même choisi quelqu'un qui s'appelait Simon de Cyrène, c'était un Africain de Libye, qu'il a aidé à porter, mais il a laissé. Lui-même, il a continué à porter sa croix jusqu'au lieu de supplice. On a pris des clous, on a frappé sur ses mains. Il a saigné, il a crié, mais personne n'était là. Pierre avait fui, les autres n'étaient pas là, ils avaient fui. Il est resté seul, l'agneau immolé, mal. Pourquoi? Les péchés des hommes. Non pas seulement, non pas que Dieu avait péché, mais il s'est fait pécher. L'agneau qui devait représenter l'homme, Christ a pris cette place. À la croix, il a crié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as toujours soutenu. Je t'ai toujours élevé dans tout ce que j'ai fait. » Mais le Père ne pouvait pas regarder ce que le Fils était devenu. Il fallait en finir une fois pour toutes. Jésus-Christ avait le pouvoir, même les gens l'ont provoqué. Mais toi qui te disais Dieu, toi qui sauvais les gens, pourquoi tu ne t'es pas sauvé? On se moquait de lui, mais l'objectif de Jésus-Christ, à cause de l'amour de Dieu pour toi, il s'est dit non, si je le fais, Blonsky ne sera pas sauvé, André ne sera pas sauvé, tu n'étais pas encore né, mais Christ avait déjà pensé pour toi, il avait de l'amour pour toi avant même que tu ne sois né. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, même si papa et maman ne t'aiment pas, il y a quelqu'un qui t'aime, qui est au ciel. Même si les gens te rejettent, l'amour de Dieu ne te rejette pas. Il est resté à la croix pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons sauvés. Il a crié, il a poussé un grand cri avant même que Jésus ne meure. La Bible dit qu'il y avait eu de ténèbres. Entre 3h du matin, entre 9h et 3h. Et quand il est mort, il y a eu tremblement de terre. Le voile du temple s'est déchiré. Père, tu m'avais abandonné, tu ne voulais pas me voir. Maintenant, je suis là. Christ est entré dans le lieu très saint, dans le lieu du jugement. Là où il était dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Reviens encore, mon frère. Viens encore, ma sœur. Viens, ma sœur. Christ est entré dans le lieu très saint, auprès du Père. Il vient et il y a eu un dialogue. Ça, c'est moi qui le dis. Il dit au Père, Père, tu as accepté mon sacrifice. Mais il y a un jugement pour le monde. Qu'est-ce que tu dis pour eux? Est-ce que tu enlèves le jugement? Le Père dit non. Je n'enlève pas le jugement. Comment ça? Je n'enlève pas le jugement.
Mais puisque c'est toi qui es mort et que tu as porté le poids du péché du monde et que par toi je peux le voir saint, sans péché, pour qu'il soit sauvé, il n'y aura de salut en aucun autre nom si ce n'est en ton nom, le nom de Jésus. Le jugement reste, mais le salut du monde repose au nom de Jésus. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom si ce n'est ton nom, Jésus. Ok. Est-ce que c'est tout, Père? Non. Ce n'est pas tout. Ton sacrifice n'a pas couvert le péché. Ton sacrifice efface le péché. Ah bon? Oui. Tous ceux-là qui demanderont pardon en ton nom, je ne couvrirai pas le péché, j'effacerai leur péché. Je voudrais dire à quelqu'un qui est ici, ton passé était peut-être lourd et peut-être lourd. Mais le pardon que tu demandes en Jésus efface tous les péchés d'hier. Si Satan vient te rappeler ton passé, rappelle à Satan la croix. Quand tu demandes pardon à Dieu, Satan viendra te dire, est-ce que vraiment il t'a pardonné? Dis oui, mon passé est passé. En tant qu'homme, ma mémoire fonctionne, je peux m'en souvenir. Mais dans le livre de condamnation, il n'y a plus rien. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand le diable vient t'accuser, n'est-ce pas qu'il s'appelle l'accusateur? Quand il vient t'accuser, il emmène le dossier. Il vient chez le Père. Je t'emmène le dossier de ces deux. Lui là, un véritable brigand, regarde-moi sa tête. Elle a, tu ne sais pas le nombre de grossesses qu'elle a fait sortir. Moi, j'ai le dossier. Ok. Montre le dossier. Il ouvre le dossier, papier vide. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu avais dit que tu avais un dossier contre elle. Oui, je venais avec, c'était rempli. Mais là, je ne comprends rien du tout. Le papier est resté vide. Oui, Satan, tu ne peux pas comprendre quelque chose. Parce qu'ils ont commis de péché. Mais ils ont rencontré l'agneau. Ils ont demandé pardon. Et j'ai effacé le péché. Sur base de quoi je vais les condamner? Sur base de rien du tout. Leur dossier est vide. Aide-moi à dire dossier vide. Mon casier est totalement vide. Pourquoi? Parce qu'il a dit, celui qui demandera pardon au nom de Jésus, son péché non pas sera couvert, mais son péché sera totalement effacé. Tels qu'ils sont là, ils sont venus devant le tribunal de Dieu. Dieu ne les a pas condamnés parce que leur casier est vierge. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as cru en Jésus, tu as demandé pardon, ton casier est vierge. Plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus. Est-ce que c'est fini? Non, fils, ce n'est pas encore fini. Ce sont des hommes, ils sont sauvés. Mais je leur fais un privilège. Lequel? Je leur fais un privilège. À tous ceux-là qui vont te recevoir comme Seigneur et Sauveur, à ceux-là qui croient en ton nom, je leur donne le droit de devenir comme toi, mes enfants. Alléluia. Wow. Il dit, je leur donne le droit, d'autres versions disent le pouvoir, de devenir enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle en théologie la doctrine d'adoption. Celui qui est adopté de Dieu a le même titre que l'enfant légitime. Nous avons le même titre que Jésus. Lui, il est le premier-né d'entre les morts. Nous aussi, aujourd'hui, nous entrons dans la présence du Père sans nous inquiéter. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Aide-moi à dire, je suis enfant de Dieu.
Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Non. La condition est à cela, à celui qui l'a reçu, à celui qui croit en son nom, il donne le droit de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est que ton Père, c'est Dieu. Celui qui ose te toucher, il aura affaire à ton Père. Voilà pourquoi quand je dors en paix. Mon père veille sur moi. Alléluia. Mon père est mort en 96. Il ne nous a rien laissé. Mais ce que je suis devenu est plus que ce que papa allait me donner. Pourquoi? Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Il donne une éducation plus que tout père biologique peut le faire. Seulement à ceux-là qui l'ont reçu. Non pas seulement le recevoir, à ceux-là qui croient en son nom. Pourquoi croire en son nom? Croire à l'œuvre de la croix, au sacrifice suprême. Pour ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour eux. Cela veut dire qu'ils ne passeront plus en jugement. Quand tu vas mourir, quand il y aura jugement dernier, toi tu ne seras pas jugé. Aide-moi à dire à ton voisin, vert, vert. Hey, vert, vert. Toi tu vas passer, vert, vert. Les autres, on les arrêtera. Toi, mais pourquoi tu m'arrêtes, toi, dans... de Dieu, ton nom ne figure pas. Mais je suis, non, tu n'es pas. Mais pourquoi eux, ils passent? Eux, ils sont des enfants du Père. Donne-moi un amen, je vais te bénir. Est-ce que tu sais que tel que tu es là, si tu es enfant de Dieu, tu es plus supérieur que les anges? Oh, donne un amen, c'est de toi que je parle. La Bible dit, en aucun ange, Dieu a appelé fils. Ok? Mais à toi et à moi, il a appelé fils. Donnez-moi encore un amen, je vais te bénir. Vous savez que les Moïse, les Élie que vous considérez grands étaient tous serviteurs dans l'Ancien Testament. Mais par Christ, il a fait de nous non pas des serviteurs, mais des enfants. Dans la maison, celui qui est supérieur, ce n'est pas le serviteur, mais l'enfant. Le serviteur s'arrête là où l'enfant continue. Le serviteur, il fait le lit des papas, mais l'enfant dort sur le lit des papas. Le serviteur lave les habits des papas, mais l'enfant peut prendre la veste de papa. Alléluia! Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le privilège que tu as d'être enfant, toi, tu n'arraches pas auprès du papa. Toi, tu prends ce qui est à papa. J'aime ce que Christ dit, ce qui est au Père est à moi. Aide-moi à dire, ce qui est au Père, ce qui est au Père, la santé du Père, la richesse du Père, la sécurité du Père. Alléluia! Même quand le diable te regarde, il a peur. Pourquoi? Parce que tu portes l'ADN du Père. Tu as l'ADN du Père. Dans l'ancien régime, on les appelait Banaya. Banaba mouvancier, les enfants de mouvancier. Comme pour dire, ce sont les enfants d'eux. En acceptant Jésus, toi aussi tu es devenu l'enfant d'eux. Leur père a quitté le pouvoir. Leur père quittera le pouvoir. Mais mon Père qui est dans le ciel ne quittera jamais le pouvoir. Je resterai à vie, moi na ya. Yeah. Un ami m'a raconté une histoire qui m'a fait rire. Un homme est arrivé à l'aéroport, il était un chrétien.
Ils sont arrivés, il a vu comme les protocoles de cette nation prenaient les enfants d'autres dignitaires et les traitaient très bien. Eux, les autres, on les faisait traîner. Il a commencé à se fâcher, à s'agiter. Les gens de l'immigration sont venus. « Mais monsieur, calme-toi. » Il dit, « Non, vous ne pouvez, vous pouvez pas me traiter comme ça. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne connaissez pas mon père. Ne savez-vous pas que moi je suis un prince et vous me traitez comme ça ?» Quand ils ont entendu qu'il était un prince, ils ont eu peur. Ils l'ont pris vite, vite. Ils ont fait tout ce qui était de la migration et ils l'ont fait sortir rapidement. Ils ont loué un véhicule pour lui, c'était rapide. Et à la fin, on lui pose la question, « Excusez-nous vraiment, monsieur, de tout ce qui s'est passé. Mais est-ce que tu peux nous renseigner, ton père, il est le roi de quelle nation ?» Il le regarde, il dit, « Mon père, c'est le roi de rois !» Alléluia ! Je m'aurais prophétisé sur quelqu'un. Dans les jours à venir, tu commenceras à passer vers vers. Les portes s'ouvriront vers vers. Là où les gens t'arrêtaient, là où tu avais du retard, et même ils vont te faire passer vers vers. Quand il te posera la question, qui es-tu? Il dit, moi, je suis l'enfant du roi de rois. Je bénis Dieu parce que je prêche devant le prince et la princesse. Alléluia. Oh, cher prince, chère princesse, mes respects. Votre père et mon père, c'est le roi de rois. Alléluia. Merveilleux, n'est-ce pas? Et ce privilège, Dieu le donne à celui qui a cru en Jésus. Il a dit, plus jamais tu n'emmèneras un autre sacrifice. Je n'ai plus besoin d'un autre sacrifice. Si tu vas chez un prédicateur, un serviteur, qui te dit, le péché que tu as fait là, il faut emmener le sacrifice de la réparation. Dis-lui, c'est faux. Oh non, parce que tu as avorté, parce que tu as fait ceci, il faut m'emmener l'enveloppe de la réparation. Je veux prier pour toi et Dieu va te pardonner. Dis-lui, c'est faux. Je t'envoie chez un jour nouveau, on va t'enseigner la théologie. Si tu dis ça, dis-le. Là où j'ai pris, mon pasteur m'a dit, il n'y a plus aucun sacrifice pour le péché, si ce n'est ce que Jésus-Christ a fait. On ne reçoit plus le pardon de nos péchés par une enveloppe, mais simplement par le pardon. Père, pardonne-moi, j'ai péché. Et il efface. Plus d'enveloppe pour le péché. Si tu te demandes l'enveloppe, prends l'enveloppe, amène l'argent, tu vas auprès de lui. Tu dis, tu vois ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Il sera fâché, il va te maudire, mais même si tu es maudit, arrête-toi, regarde-lui. Tu lui dis, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Il comprendra que tu es d'un jour nouveau. Alléluia. Celui qui est enfant de Dieu, non pas seulement qui ne passe plus en jugement, mais aussi son éternité, il le passera avec Dieu. Je voudrais te dire et t'avertir, la vie sur terre n'est pas tout. Ne vous fiez pas à ceux-là qui disent « Mangeons, mangeons, buvons, buvons, car demain, nous mourrons. » Demain, nous mourrons, mais après la mort, il y a la vie. Après la mort, nous n'irons pas tous au même endroit. Après la mort, il y a de ceux-là qui vont dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, le lieu du repos. Et d'autres vont dans le lieu du tourment en attendant le jugement dernier. Ceux-là qui vont dans le lieu du repos avec Abraham et les autres ne passeront pas dans le jugement. Vous verrez dans Apocalypse, on parle du tribunal de Dieu. Le tribunal de Jésus, ce n'est pas le tribunal de la condamnation, mais le tribunal où il nous rétribue par rapport à nos œuvres. Quand on passera devant Jésus dans son tribunal, ça ne sera pas pour nous condamner, mais pour regarder. Oh, André, toi, c'est une couronne.
Je faisais rire à quelqu'un, je dis, moi-même si c'est une bague, mais je vais être là. L'importance pour moi, ça ne sera pas la taille, mais nazalaka, que je sois là. Je laisserai peut-être au pasteur Camille, au pasteur Atoms, une grande couronne au pasteur Dallo. Moi, donne-moi même un bracelet, mais je suis là. Dis à ton voisin, rate Dubaï, mais ne rate pas le ciel. Rate les États-Unis, mais ne rate pas le ciel. Alléluia. Je verrai David. Je verrai Abraham. Je dis, hey, Abraham, c'est toi que j'ai prêché. Oui, c'est moi. Je regarderai Gabriel. Je regarderai Moïse. Je dirai, Moïse, yo, Monisabiso, passe. Toi là, Paul, où es-tu? Paul, toi vraiment, même ta théologie nous compliquait. Fantastique. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de tourments. Nous allons danser pour Dieu. Hey! Il ne va pas regarder, Blonsky, toi tu as une mauvaise voix. Non, non, je danserai pour mon Dieu. Je louerai Jésus. Il n'y aura plus maladie. Il n'y aura plus Covid. Il n'y aura plus sida. Il n'y aura plus hypertension, hypotension. Je serai dans la bonne santé. Ce que j'aime encore au ciel, c'est que nous allons manger. Donne-moi un bon amen. À la table de l'agneau. Moi, quand je demanderai, vous voulez qu'on vous serve quoi? Amène-moi les poissons salés. N'oublie pas les mfoubwa. Et s'il continue, tu veux qu'on ajoute, amène-moi encore le serpent, qu'on appelle Boa Kambanyoka. N'oublie pas la mouambe avec la chikwang. Et s'il continue, je dis, amène-moi les jambonneaux. Je veux manger! Aide-moi à dire aux voisins, rate Dubaï, mais ne rate pas le ciel. Alléluia. Nous serons avec Dieu. Nous le verrons face à face. C'est lui qu'on n'a jamais vu. Mais on a cru en lui. Je regarderai Pierre. Je regarderai mon pasteur Roland. Je dirai, Daddy, merci de m'avoir prêché un jour. Je bénirai Dieu de la décision que j'ai eu à prendre en cette année de 1999 au mois d'août. C'est jeudi quand j'ai cru en lui, quand je lui ai donné ma vie. Et c'est ce qui va m'emmener auprès de lui. Mais ceux-là qui n'auront pas Christ, ils seront dans le lieu de tourment. Avant même qu'ils entrent en enfer, là où ils sont, il y a déjà les tourments. La Bible dit, ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. Cet étang n'a jamais été prévu pour l'homme. Cet étang a été prévu pour Satan. Ce qui est bizarre, pasteur, on dit Satan est le faux prophète. Dieu est le faux prophète. Ceux-là qui viennent avec les insidies, Dieu, alors que ce sont les insidies de leur cœur. Il dit cet étang de feu a été prévu pour Satan. Et pour les faux prophètes, pas pour toi. Aide-moi à dire aux voisins, ce n'était pas pour toi. Ceux-là qui vont y entrer, qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas de purgatoire. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas de temps mort. Oh non, on va mettre un peu la climatisation pendant ces temps. Tu chercheras la mort, mais tu ne mourras pas. Tu resteras là dans les temps de feu. Fini. Et la Bible dit que c'est pour l'éternité. L'éternité n'a pas de temps. Regarde comment tu souffres. Quand tu fais seulement fièvre 40 degrés. Mais là, c'est pire. Ce qui est bizarre, tu ne vas pas souffrir seul. Tu souffres avec Satan. À un moment, il te fait ça. Tu souffres. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu n'as pas voulu laisser ses péchés. Tu souffres. Pourquoi? Parce que tu es chrétien. Mais tu n'es pas vraiment chrétien, tu es crépa. Le crépa, ce sont ceux qu'on appelle le chrétien païen. Abréviation, crépa. Un moment, ils adorent avec Mike Kalambay. Un moment, ils adorent avec Fali.
Un moment, il adore avec Pasteur Adams. Un moment, ils sont avec Ouéra. Un moment, il chante avec. Un moment, il chante Céline Dion. Il pense que Céline Dion, c'est un ange. Chanter la musique profane congolaise, c'est la même chose que de chanter la musique profane américaine. Tu mourras, tu iras en enfer. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. J'aime le verbe conjuguer. On conjugue ce verbe dans le futur. Ce qu'un homme aura semé maintenant, il ne le moissonne pas maintenant, mais il le moissonnera dans le futur. Quand il s'attend le moins possible, je voudrais dire à quelqu'un, puisque tu ne sais pas comment et quand tu vas mourir, sois prêt maintenant. Sois prêt maintenant. À supposer que la mort te rencontre, tu es loin de Dieu. Fatalité. Tu ne reviendras plus. Oh Seigneur, donne-moi à revenir. Fini, tu es parti. Nous, on va te pleurer. Façon dont on t'aimait. Façon dont on va te pleurer. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Oh, notre frère, on l'a aimé. Va en paix. Va en paix. Éternité. Quand on t'a enterré, là, nous, on rentre. Maman Galoula, donne-moi à manger. On raconte l'histoire d'un homme qui aimait vraiment sa femme. Dis-toi et moi, vraiment rien ne nous séparera. Sa femme est morte. Non, moi rien ne me séparera. Ils sont arrivés au cimetière. On a fait entrer le corps de sa femme dans la tombe. L'officiant qui était là, il se retourne et dit, où est son mari? Toi, tu disais que tu ne te sépareras pas de ta femme et que tu vas la suivre partout. Viens, on va te faire rentrer. Non, je disais seulement quand on était en vie. Ton mari te laissera, mais Jésus descendra même avec toi. J'ai dit à ma femme, si tu meurs avant, je te dirai bye bye. Je ne te suivrai pas dans la tombe. Si je meurs avant, dis-moi bye bye. Seul Jésus me suivra partout. Il dit, ils deviennent enfants de Dieu. Mais est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour dire que je suis sauvé. Non. Il faut marcher dans l'intégrité. Il y a ce qu'on appelle la marche dans l'intégrité. Il dit, ils entreront ici si vraiment leur vie te ressemble. Est-ce que ta vie ressemble à Jésus? Marcher dans l'intégrité, c'est marcher dans la sanctification de vie et de cœur. C'est refuser le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, je le partage avec le mien, je leur dis. Satan n'a jamais obligé quelqu'un à pécher. La tentation n'a jamais été une obligation. La tentation a toujours été une proposition. Il n'a pas pris le fruit au jardin d'Éden, il n'a pas cueilli, il n'a pas mis le fruit par force dans la bouche de Ève. Le maximum que le diable peut faire, c'est de te pousser à pécher. Mais toi-même, tu commettras ta propre crime. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien, que je l'ai accepté. Mais il faut marcher aussi dans la crainte de Dieu. Refuser la corruption de la chair. Tout ce que le diable ou la chair te demande, tu n'es pas obligé de donner. Sois comme Joseph. Je parlais à un jeune, je lui ai dit, en matière d'impudicité, on fouille l'impudicité. Je préfère quelqu'un qui laisse le travail parce qu'il refuse de tomber avec son chef qu'un chrétien qui tombe avec son chef et vient pleurnicher après. Ne rate pas le ciel à cause de $500. Ne rate pas le ciel à cause de ce poste. Non, nous serons plus heureux là-bas. Je préfère un chrétien qui ait son travail parce qu'il a préservé sa chrétienté que celui qui roule carrosse, mais rempli de péché. Aide-moi à dire à ton voisin, marche dans la crainte de Dieu.
Je ne sais pas comment on le dit en Swahili, mais en Ngala on dit Erosimba un jour. Même si aujourd'hui tu as faim, aie faim avec Jésus. Après 40 jours, la Bible dit les anges sont venus les servir. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, les anges se préparent à te servir. Tu goûteras la nourriture du ciel, même si tu es déjà à Canaan. La Bible dit, Dieu leur dit, quand ils sont arrivés à Canaan, le peuple d'Israël, la manne, c'est ça. N'est-ce pas? La manne n'est plus jamais tombée. Mais Jésus qui était déjà à Canaan, les anges ont amené la manne. Ils ont amené. Je pourrais dire à quelqu'un, si tu obéis à Dieu, il te fera entrer dans la loi de l'exception. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es exception. Aide-moi à te frapper la poitrine et dire, je suis une exception. Je me ratterrirai, je demanderai déjà aux musiciens de revenir. Si le Père nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le Fils qui nous a sauvés nous donne aussi le pouvoir, mais c'est lui de marcher sur le serpent. Le Père nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais le Fils qui a vaincu le diable à la croix, il sait que le diable n'est pas mort. Il est toujours vivant. Et qu'il va bouger, continuer à déranger le mien. Alors Jésus-Christ dit, ceux-là qui sont enfants de mon Père, je leur ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le... Et il ajoute, et rien ne va le nuire. Je me redirai à quelqu'un, rien ne va te nuire. Les flèches des sorciers la nuit, ça ne va pas te nuire. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oh, mais pourquoi tu as donné ce pouvoir? C'est simple. Colossiens 2,15 dit, à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. Dépouiller veut dire quoi? On te ravit tout ce qui faisait ta force. Satan tel qu'il est là, il ne peut plus rien te faire. Parce qu'à la croix, Christ l'a dépouillé. Il a livré publiquement en spectacle. Tel que tu es là. Si tu es enfant de Dieu, en matière d'autorité, tu es supérieur à Satan. Oh, donne-moi un amen parce que... Ce qui est bien, qu'il ait seulement des genoux. Alléluia. Si la pauvreté de la famille a des genoux, au nom de Jésus, la pauvreté... Qu'est-ce qui se passe dans le combat spirituel? Lorsqu'on t'attaque... Quand l'ennemi vient, lorsque tu cries seulement au nom de Jésus, l'ennemi qui venait en courant, il se rend compte qu'il est à genoux. Alléluia! Quand l'ennemi m'attaque, souvent quand j'ai les attaques la nuit, quand mon épouse me réveille, Blonsky, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, on va prier. Je lui ai dit, moi je ne me réveillerai pas. Je vais continuer à dormir. Je l'ai déjà chassé. Pourquoi je veux me réveiller, déranger Dieu? Je l'ai déjà chassé, il ne reviendra plus. Et quand je dors, c'est jusqu'au petit matin. Je me redirai à quelqu'un, Dieu te donne la victoire jusqu'au petit matin. Au nom de... Malaria, fléchisse. Mais le nom de Jésus... Le pouvoir du nom de Jésus ne fonctionne qu'avec ceux-là qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Même si tu es dans la mer, même en plein sommeil, le nom de Jésus fonctionne toujours. Je voudrais lancer cet appel
Après quoi nous allons prier, je laisserai le micro au pasteur André. Nous n'avons pas les yeux fermés, nous avons les yeux ouverts. Je lancerai ces deux appels. Premièrement, tu es ici. Ça fait un temps que tu écoutes la parole. Mais tu n'es vraiment pas convaincu de ta chrétienté. Tu veux dire, pasteur, ce soir, je vais donner ma vie à Jésus. Là où tu es, simplement lève-toi, il n'y aura pas trop de protocole, tu peux te lever. Là où tu es, tu dis, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux maintenant marcher, selon Dieu, selon qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une question de honte. Tu es là? Lève-toi simplement. C'est une question de destinée et non pas de honte. Je ne reviendrai pas deux, trois fois. Je reviendrai simplement deux fois. Je répète, tu es ici. Tu veux dire, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux devenir enfant de Dieu au même titre que Jésus. Là où tu es, lève-toi simplement. Ce n'est pas une question de honte, hein? Gloire à Dieu, puisque nous tous, nous sommes enfants de Dieu, sans problème. Amen. Il y a quelqu'un là-bas au balcon. Oh, excusez-moi, pasteur André, il faut penser éclairer là-bas, je ne voyais pas. Il y a quelqu'un qui est au balcon. Dieu soit béni, que Dieu bénisse ta vie. Désormais, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Toi et moi, rendez-vous auprès du Père. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a une prise en charge de l'Église par rapport à vous. Tu peux rester debout un moment. Je me relance encore cet appel. Tu es ici. Tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ta marche n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu sais que tu as des péchés que tu commets encore. Et tu veux te dire, pasteur, prie pour moi. Je me vais à partir d'aujourd'hui vraiment me décider, marcher d'une manière décidée. Je me vais à partir d'aujourd'hui tenir tête au péché. Je ne tomberai plus à cause de l'œuvre de la croix parce que je ne veux pas perdre mon salut. Si tu es là, tu peux aussi te lever. Que tu sois dans la chorale, que tu sois dans l'accueil, le salut, ce n'est pas une question de position ni de titre. Personne ne te condamnera. Moi non plus, je ne te condamnerai pas. Simplement ce que je désire, ce que toi et moi, au ciel, nous soyons là. Alléluia. Tu sais, même ta conscience telle que nous sommes là te le reproche. L'Esprit de Dieu te dérange par rapport à ses péchés. N'oublie pas, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Je ne veux pas que tu récoltes la mort. L'enfer, ce n'est pas pour nous, non. L'évangile de Dieu ne consiste pas à prêcher les gens à fuir l'enfer, mais à aimer plutôt Dieu. Si tu es debout, ce n'est pas parce que tu veux fuir l'enfer, mais parce que tu aimes Dieu. Je ne sais pas quelle prise en charge est-ce que l'Église a prévue pour vous. Mais ne soyez peut-être pas pressés à la fin. J'aurais bien voulu peut-être que vous inscrivez votre nom sur une liste afin que les pasteurs voient comment est-ce qu'ils peuvent vous accompagner. Alléluia. Un jour.